Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, on va appeler ça un hall action. Non, il n'y en a toujours pas à La Réunion, il n'y en aura probablement jamais. Mais voilà, je suis inscrite sur un forum avec des scrapinettes superbes. Et donc, j'ai demandé en fait si l'une d'elles pouvait essayer de trouver certains articles et me les envoyer, donc bien évidemment en payant les frais de port et la marchandise. Voilà, ça me ferait des petits articles venant bah, du magasin. Alors que bah, clairement à La Réunion c'est pas possible puisque il n'y en a pas du tout. Donc je viens de recevoir ça ce matin et je suis trop contente. J'ai juste ouvert, voilà. Mais j'ai trop hâte. Voilà. Donc c'est pas des nouveautés, clairement, parce que ça fait quelques semaines, voire quelques mois déjà, que certains articles sont disponibles dans les magasins. Mais pour moi qui n'ai pas du tout de magasin Action, ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir des produits à moindre coût et qui sont plutôt sympas. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la boîte. Oula. C'est parti. Donc déjà, il y a ceci. Donc c'est les blocs. Donc le Luxury Cardstock. Donc les feuilles sont beiges et blanches. Donc c'est les pâtes texturées. J'avais en fait reçu. Lorsque j'avais fait des achats avec une youtubeuse donc qui vendait en fait un peu son stock en fait qu'elle n'utilisait pas, j'avais reçu en fait le format A5 comme ça texturé et j'adore ce papier surtout pour les tamponnages et les découpes. Et du coup, j'ai demandé si elle en avait dans son action. Elle m'a dit non, mais par contre, elle a les blocs A4 donc je lui ai dit d'en prendre un. Donc là, il y a 24 feuilles, voilà ça pour les découpes et les tamponnages, voire peut-être même. Pour des petites bases albums, ça va être très sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ensuite, donc, j'ai demandé les carousels donc à paillettes. Voilà. Donc, elle m'a pris les quatre couleurs. Donc ça, c'est top. Parce qu'ici, c'est quand même assez compliqué de trouver. On trouve souvent des petits tubes, voilà. Et vu le prix que ça coûte chez Action, franchement, ça vaut le coup. Bon, il y en a quelques-unes qui se sont un peu fait la malle, mais c'est pas grave, je suis trop contente de les recevoir. Voilà. J'ai vraiment toutes les couleurs et donc ça, c'est super. On va rester dans les paillettes et du coup, elle m'a pris les fameux petits tubes comme ça, donc dans les tons bleus, dans les tons mauves. Alors, j'ai beaucoup quand même de paillettes en plus de ça, mais je n'avais pas du tout de ton mauve. Voilà, donc ça, c'est vraiment top. Là, dans les tons un peu dorés, argentés, cuivre et blanc. Ces petites étoiles-là, pardon, je suis hors du champ. Ces petites étoiles-là me font penser en fait aux sequins qui sont vendus sur la boutique F Déco. Voilà. Et là, un peu dans les tons roses. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, donc, ces petites étiquettes, voilà. Donc, ce sont fait des étiquettes cadeaux. Voilà les motifs. Ensuite, chose extrêmement rare, pour moi en tout cas, les blocs 15 par 15. Donc, je lui ai demandé que celui-là. Parce qu'en fait, quand je l'ai vu, j'ai totalement craqué dessus. Voilà. Donc c'est clairement pas ce que j'utilise le plus, voire que j'utilise pas du tout, voilà. Mais je l'ai trouvé trop beau en fait, mais vraiment trop beau. Et du coup je me suis dit non, il faut que, il me le faut, il me le faut. Voilà. Ensuite donc ce carnet, voilà, thème Mickey. Franchement quand je les ai vus passer, je me suis dit c'est trop beau. Voilà, dommage que je peux pas en avoir. Et au final, ben, j'ai réussi à en avoir un et je suis trop contente. Je vais le déballer. Voilà, je voulais absolument un carnet. Et voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais noter dedans. Parce que clairement, des carnets, comme beaucoup, je pense que j'en ai un certain nombre. Je ne sais jamais quoi écrire dedans. Mais là, je ne sais pas. Je vais peut-être juste le mettre en exposition. Voilà. Et puis, on verra. Ensuite, donc, du papier, le vélum. Voilà, donc pareil, c'est pas une nouveauté, mais j'ai vu en fait sur des vidéos YouTube et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je lui ai demandé, elle a trouvé celui-ci. Et pour finir, donc, il y a le cardstock
Voilà, là aussi c'est du carton texturé si je ne me trompe pas. Ah non, celui-là n'est pas texturé. Il est un peu plus lisse, mais voilà. C'est le genre de carton que j'aime beaucoup pour faire mes découpes. Et du coup, ben voilà, il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a du bleu, du vert, du jaune, du mauve et du rose. Ce sera parfait. Et donc, il y a 50 feuilles. Franchement, je suis trop contente d'avoir reçu tout ça. Parce que c'est vrai que ben, c'est embêtant pour les gens d'aller faire les magasins, etc. De devoir trouver des produits spécifiques. Parce que voilà, c'est vraiment ce que j'ai demandé. Donc voilà, je remercie fortement cette personne pour tout ce qu'elle a pu faire, donc aller chercher, emballer, passer à la poste, etc. C'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, un grand, 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 grand merci à elle. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!